Les blancs, quand ils font l'amour, ils s'enroulent tendrement, comme des serpents, tout doucement. C'est doux en fait, mais chez nous. Tant que ton zizi n'a pas touché le cœur de la fille, elle va dire que tu es nul. C'est un amusement, c'est un plaisir. C'est pas gay. Chérie, pardon, s'il te plaît, laisse-moi faire un coup. Je vais même pas durer. Je vais même pas tout mettre. Je vais mettre le bout seulement, s'il te plaît. Un coup seulement, s'il te plaît. Mais les 100 000 que je t'avais demandé là. Je vais te donner. Et iPhone 12 Pro là. Je vais te donner. Tout ce que je veux, tu vois. Je vais tout te donner. Donc, faut faire comme pour les moutons là. Mais. Faut faire comme pour les bœufs là. Mouma. Faut aboyer. Wow, wow, wow. Mais chérie, pardon s'il te plaît. Je vais te donner la voiture, tu vas acheter l'argent. Pardon. Vous remarquerez que les gens qui ont l'argent là, quand ils s'en vont au lit avec leur femme, ils font un coup et puis ils dorment. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais toi, tu n'as rien comme moi. Tu es au quartier, travail, tu ne gagnes pas. C'est toi, tu veux faire 10 coups. Forcer sa femme à faire l'amour est un viol. Sachez aussi que forcer son homme à lui donner de l'argent, ça c'est un braquage. Est-ce que le volume est bon, mes frères? Tu as un petit pénis, tu éjacules vite, tu n'as pas l'argent, tu es laid. Tu ne vois pas que c'est trop. C'est toi qui es sur moi. C'est toi qui fais le mouvement de va et viens. C'est toi qui transpire. C'est toi qui réfléchis pour trouver les positions. Et c'est toi qui dis que tu m'utilises. Hein? Donc tu fais tout le travail pour me procurer du plaisir. Pour me faire plaisir à moi. Et tu dis que tu m'utilises. Hein? Hein? Ok. C'est quoi une pute? Une personne qui est payée pour jouer avec les garçons. Je vais être une pute quand je serai grande. Moi aussi. Damn! C'est quoi avec toi? Si ma femme te trouve ici, tu vas dire quoi? J'ai dit que je ne parle pas et tant que je ne juge pas aujourd'hui là, je ne parle pas. Ah? Quelle histoire ça me fait? Tu dis quoi? De toute façon, à toi de voir. Moi, je suis là. Si tu as envie de venir me donner le plantain, moi, je suis là. Astuce pour resserrer vos vagins. Arrêtez de mougou. Arrêtez de mougou. J'espère que vous avez compris. Je pensais qu'elle avait pissé dans ta bouche. Je ne faisais que retenir. J'appuie le lit pour que ça ne sorte pas. Et toi, tu me dis, lâche-toi, lâche-toi. Et moi, j'appuie ta tête encore parce que je pensais que le courant était en train de me frapper. Après ça, je pense que c'est les pipis qui sont sortis. Cela, ça m'a fait bizarre. J'ai poussé ta tête, tu es parti cogner et tu t'es blessé là. C'était ma première fois que quelqu'un met sa bouche là-bas en bas. Comment resserrer son minou? Comment redevenir vierge, c'est-à-dire son vagin? Comment le resserrer? Parce que je vois tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Alors les filles, je suis allée chercher pour vous une astuce très très simple et très efficace surtout. Vous viendrez d'ailleurs témoigner après. Parce que cette astuce est juste magnifique, incroyable. Alors fini les noyaux d'avocat, fini les noyaux de mangue, fini tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux là. Utilisez l'astuce de Coco. Et vous verrez, il s'agit de quoi? Il s'agit tout simplement de la colle à ongles, d'accord? Vous allez prendre la colle à ongles, vous allez ouvrir vos grandes lèvres là comme ça. Vu que si vous voulez le rétrécir, c'est parce qu'il est tout simplement large. Alors ouvrez-les comme ça, prenez la colle à ongles, mettez au milieu et refermez-les comme ça. En une minute, vous allez voir que vous allez redevenir vierge. Pour que votre chéri entre même encore là-bas, il va falloir qu'il vous redévierge pour la deuxième fois. Voilà, c'est très efficace. Et comme ça, nos oreilles vont respirer un peu sur TikTok. Mes jumelles sont où? Les filles Fontaine, venez vous mentionner en commentaire. Moi, hey, ça fait que... Petit story time. Chez mon gars, il n'y a pas de tapis parce qu'à chaque fois, je mouille ça. C'est moi, je te drague.
C'est moi, je t'invite au restaurant. C'est moi, je paye ton transport. C'est moi, je dois me tuer pour te mougou. T'es satisfaite, hein? Je dois encore venir te supplier pour que tu puisses rester dans la relation. Arbitre, remplacement. Vanessa, sors. Gaël, faut rentrer. Deuxième mi-temps. J'ai remarqué une chose. Hein. Quand tu sors avec un gars, tu trouves que le gars est beau. Tu le vois en Brad Pitt. Mais quand tu ne sors plus avec ce gars-là, quand l'amour te laisse, quand le gars devient ton ex, quand tes vrais yeux reviennent en toi, tu regardes encore le gars et puis tu dis, mais on est où là? Moi qui pensais que dans une relation, on fait que des bisous, je viens d'apprendre aussi que quand on est deux, on doit se déshabiller. Désolé, I'm so sorry, mais I'm not fait ça. Non, bébé, mais pourquoi depuis là, tu gémis pas? Je te sens pas aujourd'hui là. Frère, tu veux me voir gémir? Tu es sûr que tu veux me voir gémir? Tu veux la voir gémir? Tu es sûr que toi-même tu veux la voir gémir? Mais mets sa pied là-bas. Travaille en profondeur. Si vous voyez qu'elle gémit pas là, c'est qu'elle sent rien. Mm-hmm. Ça va pas être l'âge. Souvent, ça va pas être son âge. C'est pas, vous ne savez pas faire. Il y a d'autres mecs qui sont très, très, très nuls, médiocres. Ah! On a tout vous pardonner, quoi. On a tout vous pardonner. Jésus est mort à la croix pour nos péchés, déjà. On ne peut pas vous pardonner ça, là, seulement. Si vous ne savez pas faire ça, là, laissez. Oh, bébé, non, il était sympa aujourd'hui, là. Ou bien, il y a quoi? Tu ne fais rien, frère. Du matin, c'est là que l'excitation d'un homme est très dure. L'excitation d'un homme est très solide. C'est-à-dire que vous allez remarquer qu'à 4 ou 5 heures du matin, qu'un homme se lève pour aller faire pipi là, papy tout est debout comme ça. Papy tout est bien dressé. Papy tout est très nerveux. Oui, à cette heure-là, un homme normal, là, c'est là son papy tout se réveille. Donc, c'est-à-dire qu'à cette heure-là, toi, tu le surprends. Donc, le gars est en train de dormir comme ça, ou bien en train de ronfler, ou bien en train de faire ce qu'il veut. Et puis toi-même, tu te lèves discrètement. Tu t'en vas dans la salle de bain. Tu restes un peu ta bouche. Parce qu'on ne sait jamais. Il y en a quand elle dorme là, il y a salive. Il y en a, il n'y a pas salive. Donc, je dis, si il y a salive, tu te lèves, tu t'en vas dans le WC. Tu enlèves tout ce qui est enlevé. Tu restes un peu ta bouche. Et puis tu viens. Donc, le gars est en train de dormir. Mais quand il est en train de dormir comme ça, tu deviens comme une cellule. Ou un cellule. Non, une cellule. C'est quand si vous prenez ce que vous voulez, c'est quand je suis silure. Tu deviens comme silure. Tu glisses en bas du drap comme ça. Tu glisses en bas du drap en le gars en train de dormir. Et puis tu prends papy tout. Tu commences à jouer papy tout. Et puis c'est-à-dire que tu joues papy tout et puis ses petits frères, les pectos. Les testos. Comprenez un peu les testos. Moi j'appelle ça les pectos. Les pectos bonbons. Bonbons pectos. C'est-à-dire quand tu descends comme ça, comme silu, en bas du drap, il y a les pectos qui sont là. Et puis il y a Papitou qui est là. Donc c'est-à-dire que quand tu prends les pectos, tu joues, tu fais de l'art avec les pectos. Après tu prends Papitou. C'est-à-dire que quand tu prends Papitou, tu fais de l'art. Tu fais de l'art. Parce que vous savez, moi c'est ce que je dis toujours. Je dis la femme même, c'est-à-dire que la femme même, c'est entre 4h et 5h du matin que sa voix est suave. La femme là, c'est en 4h et 5h du matin, sa voix est suave. C'est-à-dire que si tu as envie de voir une femme bien chanter, si tu as envie de voir la femme chanter, c'est-à-dire qu'en train de faire sortir, en train de chanter une chanson même qui te fait pleurer, une chanson qui te donne la chair de poule, faut la prendre à 4h et 5h du matin. La femme en 4h et 5h du matin, tu ne peux pas être sa gorge. Tu ne peux pas. Elle te chante, c'est-à-dire qu'elle te fait de l'opéra. Elle te fait de l'opéra. Et tu la vois, elle est dans les aigus quand tu dis, mais attends, la femme, là, 4h du matin, oui, ça c'est l'heure à laquelle la femme, son gosier est aussi flexible, s'il vous plaît. Tu me prends ce micro, là. Oui, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, Parce que, c'est-à-dire que quand tu prends le micro même, c'est-à-dire le micro même qui est là. Le micro même qui est là. Avant même de chanter dans le micro là. Il y a un. Si t'as pas les couilles, il faut laisser. T'inquiète pas, c'est nous qui allons le faire.